Salut guys, ici Kara Byrne et bienvenue sur mon vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment faire de l'argent sur OnlyFans. Je vais vous donner quelques petits trucs qui vont vous aider à vous partir pour ceux qui considèrent avoir une chaîne. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, OnlyFans est un site internet. Là-dessus, tu peux downloader tes vidéos, ton contenu. Beaucoup de monde pense que pour avoir un OnlyFans, il faut nécessairement être sexy, se mettre tout nu, faire du porno. C'est vraiment pas le cas, guys. Y a des cosplayers qui sont là-dessus, il y a des musiciens, il y a des artistes, il y a à peu près de tout. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant. Tu peux partager ton lien OnlyFans sur toutes les médias sociaux. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Donc, c'est un bon moyen de se faire voir, c'est un bon moyen d'avoir du contenu passif. Et je vais commencer avec mes 5 petits trucs pour faire de l'argent sur OnlyFans. Numéro 1, équipement. T'as pas vraiment besoin d'avoir des caméras à des prix de fou, des spotlights puis des choses comme ça. Il y a du monde qui font leurs vidéos, leur contenu juste avec leur cellulaire. Il y en a qui font juste prendre des programmes puis écrivent juste des mots. Il y en a qui... c'est leur tablette, webcam, n'importe quoi. C'est sûr qu'il faut toujours porter attention que la lumière soit belle. Sauf que pas de spotlight, il y a toujours des moyens de dealer avec ça sans. Idéalement, regarde, s'il y a une pièce dans ta maison qui a des murs blancs, je sais que ça aide vraiment, vraiment beaucoup parce que la lumière, de la façon qu'elle rebondit, ça fait plus beau, ça fait plus professionnel. Comme si vous voyez en arrière de moi, mes murs sont gris, je trippe pas tant. Sinon, la couleur des ampoules, en général, les ampoules normales de maison, il y en a des plus jaunâtres, ça fait moins beau. Si tu veux un meilleur effet, assure-toi vraiment d'avoir des ampoules qui donnent blanc. La lumière naturelle aussi, as-tu une pièce qui est vitrée chez vous? Est-ce que tu peux ouvrir les rideaux? Ça va faire une plus belle lumière ou complètement filmer à l'extérieur. Sinon, il peut y avoir des lumières pour vraiment, vraiment pas cher sur Amazon. C'est quand même facile à trouver. Numéro 2. Ce qui est intéressant sur OnlyFans, c'est la façon de faire les prix. T'as le choix. Tu peux avoir un OnlyFans qui est complètement gratuit et vendre du contenu exclusif en message privé. Il y a une manière de charger les messages que tu envoies complètement, donc tu peux envoyer du contenu sur demande. Sinon, tu peux charger un montant par mois. Et ce montant-là va être comme une subscription, la personne va payer à tous les mois pour avoir accès à ton contenu. Moi, c'est ce que je fais. Un truc que je conseille, c'est le temps que tu aies une bonne fanbase, que tu aies des gens qui adorent à ton OnlyFans, que tu aies assez de contenu. J'ai mis personnellement mon OnlyFans gratuit pendant un temps. Après cet nombre de contenu qu'il y avait dessus, là j'ai commencé à mettre un petit prix et je l'ai monté éventuellement. Ça peut aller de 10$, ça peut aller à 100$, rendu là, c'est ce que tu veux, c'est ton choix. Numéro 3. Faut utiliser les médias sociaux, faut se publiciser. Tu peux pas juste faire OnlyFans puis espérer que le monde vienne, faut que le monde sache que t'en as un. Sur OnlyFans, c'est linké avec Twitter, il y a une petite icône sur le côté, tu cliques dessus, une petite icône de Twitter, puis quand tu cliques dessus, ça poste automatiquement la partie écrite de ton contenu sur OnlyFans. Donc, photo, vidéo, ajoute des mots en haut, mets des hashtags, parce que les hashtags aussi vont se transférer sur Twitter. Comme ça, ben t'auras pas à le faire, ça va être déjà fait pour toi. C'est un petit truc pour y aller plus rapidement. Numéro 4. Tu te l'es sûrement fait dire régulièrement pour absolument tout ce que tu as essayé. Faut poster régulièrement. Idéalement, le même jour de la semaine. Donc, si tu postes tous les mardis, ben, poste tous les mardis. Si tu veux poster deux fois par semaine, mardi, jeudi, mettons exemple. Mais t'as pas besoin de poster tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Ça peut être à tous les mois si tu veux. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec ta page. C'est sûr que... si tu postes plus souvent, si tu mets plus de contenu, tu vas attirer plus de monde. Plus tu mets du temps, plus tu mets de l'effort, plus l'argent rentre. Moins t'en mets, moins l'argent rentre. C'est aussi simple que ça. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, c'est ça qui va arriver. Et le dernier dans le moins, numéro 5, utiliser tes contacts. Si tu connais des gens qui font déjà du contenu en ligne, même si c'est pas OnlyFans, ça peut être autre chose. C'est toujours important d'essayer de demander des conseils, d'avoir des idées. Si t'as des amis qui ont des fanbases beaucoup plus grandes que la tienne, tu peux les demander, tu peux leur demander si tu peux les hashtaguer dedans peut-être. Ça pourrait t'aider, toi, à avoir de la visibilité.
Moi, personnellement, j'offre des services de coaching pour les filles qui veulent avoir un OnlyFans. J'ai mon lien de référence dans la description en bas. Ça fait déjà un bout que je suis là-dessus. Ça fait déjà un bout que je fais un salaire viable avec OnlyFans. Donc, si tu décides de prendre mon lien de référence, c'est sûr que je vais faire la promotion de ta chaîne. C'est sûr que je vais t'aider. Tu vas avoir un courriel, une vidéo avec beaucoup plus de détails que ce que je donne en ce moment. Et pas à pas, je vais t'aider à monter ta chaîne, donner tous les conseils que tu as besoin. Ça te coûte absolument rien. Sur ce, c'était Kira Byrne. Merci d'avoir regardé mon vidéo. J'espère qu'on va faire affaire ensemble. Bonne soirée!